Bonjour chers apprenants, je suis M. Romaré Kongoka, professeur de français. Avec vous, ce matin, nous allons faire un cours de grammaire. Le cours va porter sur la subordonnée complétive. Alors, je sollicite donc votre attention, puisque à la fin de ce cours, chacun de vous devait être capable d'analyser une phrase complexe. Alors, tout d'abord, rappelez-moi quelles sont les conjonctions de subordination que vous connaissez. On a si, que, comme, quand. OK. Alors, quelle différence faites-vous entre une phrase simple et une phrase complexe? Alors, la phrase simple, c'est une phrase qui contient un verbe conjugué, tandis que la phrase complexe, c'est une phrase qui contient plus d'un verbe conjugué. Alors, ainsi, je vais mettre des phrases au tableau. À partir de ces phrases, nous allons donc exploiter l'objet d'apprentissage. Donc, suivez. Commençons par porter le titre de notre leçon du jour. J'ai dit que la leçon de grammaire porte sur la subordonnée complétive. La subordonnée complétive. Subordonnée complétive. Je vais porter les phrases au tableau. Suivez. Phrase d'appui. Phrase numéro 1. Le père de Michel veut qu'elle apprenne l'informatique. Phrase numéro 2. Les parents
jus. S'oppose. Suppose ce qu'elle sorte la nuit. Nous avons donc deux phrases au tableau. Lisez-les en silence. Allez, on va donc exploiter ces phrases en commençant par les lire. Phrase numéro 1. Le père de Michel veut qu'elle apprenne l'informatique. Phrase numéro 2. Les parents de Julie s'opposent à ce qu'elle sorte la nuit. OK. Alors, regarde la première phrase. Y a-t-il combien de verbes conjugués dans cette phrase? Nous allons les identifier. Il y a veut, il y a apprend. OK. Alors, dans cette phrase, nous avons deux verbes conjugués. Comment peut-on appeler donc cette phrase? C'est une phrase complexe. Ok. Alors, cette phrase est constituée de quoi? Elle est donc constituée des propositions. Alors, nous allons chercher à identifier ces propositions. Dernièrement, nous avons dit ici, dans une phrase complexe, le nombre de verbes conjugués est égal au nombre de propositions. Comme on a deux verbes conjugués, nous avons donc deux propositions dans cette phrase. On va chercher à les identifier. Alors, le père de Michel veut, ici nous avons la première proposition, et qu'elle apprenne l'informatique, c'est la deuxième proposition. OK. Alors, quel est l'élément qui relie ces deux propositions? Nous avons l'élément que ici. On va les porter au tableau. Que. Alors, quelle est la nature de que ici? Alors, que ici, c'est une conjonction de subordination. Conjonction de subordination. Alors, pourquoi, vous voyez, que ici, souvent, nous pose problème pour trouver sa nature. L'élément qui nous aide donc à donner sa nature aussi, c'est l'élément qui précède ce que-là. Donc, nous avons un verbe que précédé d'un verbe est donc une conjonction de subordination. Alors, nous allons donner la nature de la première proposition. Nous avons le père de Michel V. On la porte ici. Le père de Michel veut, on la souligne. C'est donc la proposition principale. Proposition principale. Et la deuxième proposition, que. Bien. Qu'elle apprenne
informatique. On la souligne. Sa nature. Dernièrement, je vous avais dit, l'élément qui relie les deux propositions aide à trouver la nature de la deuxième proposition. Comme cette proposition est introduite par que, qui est une conjonction de subordination, alors que notre proposition ici, c'est donc une proposition subordonnée conjonctive. Donc, proposition subordonnée conjonctive. Proposition. Proposition subordonnée conjonctive. Il s'agit là de quelle conjonctive, comme on a dit le que ici, donc, qui est une conjonction de subordination, qui introduit donc la complétive. Donc, c'est une proposition subordonnée conjonctive et complétive. Complétive. Dans certains cas, on peut accepter, lorsque vous donnez la nature de cette proposition, donc vous dites proposition subordonnée complétive, cela peut passer, tout comme proposition subordonnée conjonctive complétive, pour plus de précision. Alors, elle est introduite par, quoi? Par quel élément? Par la conjonction, donc introduite. Par la conjonction de subordination qui est ici que. Alors, quelle est donc sa fonction grammaticale? Vous voyez ici, le que ici, comme élément qui introduit cette subordonnée, vous voyez, précédé d'un verbe, c'est-à-dire la fonction de cette proposition est donc une fonction verbale. Posons la question, le père de Michel veut quoi? Mais quand on pose la question quoi, après le verbe, c'est pour trouver le complément d'objet. Alors donc, la fonction de cette proposition, donc, complément. Complément d'objet direct. Complément d'objet direct du verbe. On a posé la question avec le verbe la principale du verbe. De la principale. Est ici veut, qui a pour infinitif présent vouloir. Ok. Alors, prenons la deuxième phrase. Nous avons les parents de Julie s'opposent à ce qu'elle sorte la nuit. Combien de verbes conjugués avons-nous dans cette phrase? Nous avons s'oppose et sorte. Deux verbes conjugués. Donc, nous avons aussi deux propositions. La première proposition, les parents de Julie s'opposent. C'est donc la proposition principale. Et nous avons à ce qu'elle sorte la nuit. Nous avons l'élément qui relie ces deux propositions. On a toujours le que. Mais qui est ici
précédé de à ce, donc à la préposition à. Donc cette préposition va nous aider à trouver la fonction donc de cette subordonnée. Quelle est donc sa nature? On a dit ici le que précédé d'un verbe a comme nature conjonction de subordination. Donc notre deuxième proposition ici, c'est donc une proposition subordonnée, subordonnée conjonctive, proposition subordonnée conjonctive, complétive, puisqu'elle est introduite par le que complétive. Introduite par la conjonction de subordination que. Alors, on a dit ici, cette conjonction est précédée d'une préposition. Donc, nous allons poser la question pour trouver donc la fonction de cette subordonnée. Les parents de Julie s'opposent à quoi? Lorsque l'on pose la question à quoi, c'est pour, après le verbe, c'est pour trouver donc le complément d'objet indirect. Donc nous allons dire, cette proposition a comme fonction grammaticale, complément introduite par la conjonction de subordination qui est ici. Et on a dit, elle a comme fonction complément d'objet indirect du verbe de la principale. De la principale s'oppose. Alors, nous avons compris ici que la subordonnée complétive peut être complément d'objet direct ou encore complément d'objet indirect. Ça veut dire que cette subordonnée a pour fonction donc les fonctions verbales. Alors, je vais vous proposer un petit exercice pour vérifier si vous avez compris ce qui a été dit ici. Suivez. Allez, petit exercice. Récopie les phrases suivantes. Récopie les phrases suivantes. Et précise
la fonction du chakra. Chaque proposition soulignée. Je m'attends à ce qu'il vienne. Je vais souligner donc. La proposition. Deux. Je regrette qu'il soit si tard. Je vais souligner proposition. Alors, je relis donc ces phrases. D'abord la consigne, recopie les phrases suivantes et précise la fonction de chaque proposition soulignée. Dans la phrase numéro 1, nous avons une proposition soulignée. On va la reporter ici. Dans la première phrase, nous avons à ce qu'il vienne. À ce qu'il vienne. On peut poser la question pour trouver cette fonction. Je m'attends à quoi? Donc, quand on pose la question à quoi après le verbe, c'est pour trouver donc le C ou I, je verbe. De la principale. Principale, s'attendre. Deuxième phrase, je regrette qu'il soit si tard. On a qu'il soit si tard. La question pour trouver cette fonction, je regrette quoi? Quand on pose la question quoi après le verbe, c'est pour trouver le complément d'objet direct. Complément d'objet direct. C'est toujours une fonction verbale du verbe. De la principale. De la principale. C'est le verbe regretter.
avec le thé géminé. Alors, nous avons ici, en dehors de ces fonctions, la subordonnée complétive peut être attribut du sujet, peut compléter aussi un adjectif, donc des fonctions verbales. Vous allez donc prendre note. Prenez, vous écrivez, grand A, définition, définition. On va dire la subordonnée complétive. À la ligne, vous écrivez la subordonnée complétive. Une proposition introduite par la conjonction subordination souligner conjonction de subordination que la conjonction de subordination que elle dépend d'une autre proposition. À les mêmes fonctions dans la phrase.
qu'un groupe nominal. On va prendre un exemple. Juliette Seco. Jean. On va souligner la subordonnée complétive. Grand 2, les fonctions. Fonction de la complétive. Nous avons dit ici que la complétive a plusieurs fonctions. Ces fonctions verbales, on va continuer ici, les fonctions la complétive. Les fonctions de la complétive. À la ligne, vous écrivez la plupart des subordonnées complétives. Subordonnées. La plupart des subordonnées complétives fonction du complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Elles font leur partie du groupe verbal. La plupart des subordonnées complétives ont la fonction de complément d'objet direct ou de complément d'objet indirect.
elles font alors partie du groupe verbal. Alors, vous écrivez la. La complétive COI est introduite. Par une préposition et cette préposition donc suivie de ce que. Exemple, le père de Michel veut qu'elle apprenne l'informatique. Qu'elle apprenne l'informatique. Nous avons ici le père de Michel veut proposition principale. Le père de Michel veut, proposition principale, qu'elle apprenne l'informatique. Proposition subordonnée conjonctive pour plus de précision
complétive. Introduite. Par la conjonction tout de suite par la conjonction de subordination de subordination que ici, dire le père de Michel veut quoi? Donc, complément d'objet direct du verbe de la principale c'est quel verbe, la principale, veut, verbe, vouloir. Deuxième, on a dit exemple pluriel, nous avons le deuxième exemple, on va mettre deuxième exemple, du Julie. S'oppose à ce qu'elle sorte la nuit. Vous avez ici on va souligner juste la complétive qui est ici à ce qu'elle sorte la nuit. Donc ici elle a pour fonction complément d'objet indirect de suppose donc ici là c'est on a juste. Nous savons que ici, là, nous avons la première proposition. Ici, c'est la principale. Ce qui nous intéresse ici, c'est la complétive qui est soulignée ici, qui a comme fonction complément d'objet indirect de, du verbe la principale, s'oppose. Alors, en dehors donc, de ces fonctions, vous allez noter une subordonnée complétive. Vous allez noter. Une subordonnée complétive complétive on a dit en dehors de ces fonctions, peut aussi être de point T
tiré à la ligne. Complément de l'adjectif. Complément de l'adjectif. Exemple. Reprendre. Que son fiancé soit que son fiancé soit t'inviter sans elle. On va souligner donc là la complétive qui est donc ici le complément de l'adjectif. Voilà. Nous avons. Il peut aussi être attribut du sujet. En dehors du complément de l'adjectif, peut être attribut du sujet exemple son rêve est que Marie l'invite à égal à son fiancé soit invité sans elle, attribut du sujet. Son rêve est que Marie l'invite à la grande soirée. Voilà. On peut prendre juste ces fonctions. Ici, vous avez d'autres fonctions. Donc, la complétive ici. Une complétive peut-être complément de l'adjectif. On a un exemple ici. Sophie est furieuse que son fiancé soit invité sans elle. Vous avez ici que son fiancé soit invité sans elle. Complément de l'adjectif ici qui est furieuse. Deuxième, furieuse qui est ici, adjectif. Et ensuite, vous avez deuxième exemple. Elle peut être aussi attribut du sujet. Nous avons un exemple. Exemple ici. Son rêve est que son mari l'invite à la grande soirée. Donc, vous avez ici la complétive que Marie l'invite à la grande soirée qui est ici, donc attribut du sujet, qui est son rêve. Alors,
Comme promis, il y a un exercice que vous allez traiter à la fin. Exercice d'application. Fais l'analyse logique des phrases suivantes. Phrase numéro 1. Paul a consenti à ce que Jeannette reprenne sa place dans l'équipe. Phrase numéro 2. Jean a remarqué qu'après ton arrivée, Marion est devenue plus gaie. Phrase numéro 3. Julie est contente que sa sœur ait remporté la course. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre leçon. Donc, revisez toujours vos cours et à nous revoir à la prochaine séance. Merci.